Et maintenant, écoutez bien ce qui se passe lorsque votre iPhone est à 100%. Attention, attention, la batterie chargée à 100%, débranchez votre iPhone pour éviter de l'user. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Alors aujourd'hui, nouveau concept sur la chaîne. J'ai décidé que à partir de cette vidéo et dans les prochaines vidéos, il faudra donc mettre un commentaire, liker la vidéo, être abonné à la chaîne et tous les mois, je vais aller dans les commentaires, choisir un commentaire. Je choisirai par mois un commentaire sur n'importe quelle vidéo. Je prendrai contact avec cet abonné et j'enverrai à cet abonné un des objets que j'aurai présenté dans le mois sur ma chaîne. Alors ça peut être conséquent, puisque ça peut être un aspirateur, ça peut être un téléphone, une tablette, ça peut être n'importe quoi les amis. Donc voilà, aujourd'hui, nouveau concept sur la chaîne Vision Hightech. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'un tel concept. Ça m'intéresse vraiment. C'est vraiment un nouveau concept que je mets en place. Il faudra donc que vous soyez abonné, que vous ayez liké cette vidéo et que vous ayez commenté dans la vidéo. Au bout d'un mois, à partir d'aujourd'hui, je choisirai donc un commentaire dans toutes les vidéos que j'aurai faites. Je prendrai contact avec cet abonné et je lui enverrai un cadeau. Donc un cadeau par mois égale 12 cadeaux à l'année. J'espère que ce concept vous plaît. Aujourd'hui, on va parler d'une astuce iOS sur iPhone pour préserver un maximum de batterie. Donc c'est parti pour cette vidéo. N'oubliez pas votre petit like, votre petit commentaire à partir d'aujourd'hui, tous les jours lorsqu'il y aura une vidéo. Et je vous explique comment faire sonner ou faire dire à Siri quand votre iPhone est à 100%. C'est parti les amis. Voilà donc les amis, aujourd'hui ça va être important car vous savez tous que lorsqu'on charge notre iPhone, il faut absolument préserver le cycle de charge de votre batterie d'iPhone, c'est super important. Lorsqu'on charge un iPhone, il faut absolument le préserver au niveau de sa batterie et lorsqu'il est à 100%, il faut éviter de le laisser brancher. On abîme la batterie lorsqu'on continue à le charger quand il est à 100%. Dans cette astuce, je vais vous montrer comment créer un petit raccourci pour que votre iPhone vous prévient lorsqu'il est à 100% pour que vous puissiez le débrancher instantanément. Et ça va vous permettre de garder votre iPhone encore plus longtemps. Allez, je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Voilà donc, tout va se passer à partir de l'application Raccourci. Vous allez rentrer à l'intérieur. Raccourci. Une fois que vous êtes entré dans Raccourci, vous allez aller tout en bas sur les trois onglets. Vous allez vous positionner sur l'onglet Automatisation. Automatisation, que vous validez. Une fois que vous êtes entré sur Automatisation, vous allez complètement en haut à droite sur Créer une automatisation, bouton. Créer une automatisation, vous validez. Ici, vous allez arriver sur cette fenêtre et attention, si vous n'avez pas créé d'automatisation avant, vous arriverez directement sur cette fenêtre. Vous allez aller sur le bouton Créer une automatisation perso, bouton. Créer une automatisation perso, vous validez dessus. Une fois ceci fait, vous allez chercher vers le bas l'option Niveau de la batterie, exemple, lorsque le niveau de la batterie. Niveau de la batterie, vous rentrez à l'intérieur. Quand. Alors ici, on vous pose une question. Quand. Quand. Niveau de la batterie. Donc quand niveau de la batterie sera égal à 50% ajustable. Ici, on va le monter jusqu'à 100%. Donc d'un doigt avec VoiceOver si vous l'utilisez du bas vers le haut. 70, 80%, 90, 100%, 100%. Et vous vous positionnez à 100%. Sélectionnez, est-ce égal à 100%. Et vous choisissez le bouton radio quand c'est égal à 100%. Sélectionnez, est-ce égal à 100%. Une fois que vous avez fait ceci, vous partez complètement en haut à droite. Suivant, bouton. Sur le bouton suivant. Suivant. Vous avez déjà pratiquement terminé votre raccourci, les amis. Donc ici, on va rajouter une action. Une action. On le valide et en plus de l'accessibilité supplémentaire, on pourra faire agir le flash et ça sera pour les personnes malentendantes. Et on pourra faire énoncer le texte par Siri. On le fait tout de suite. Quand vous faites ajouter une action, vous recherchez la zone d'édition tout en haut. Recherchez MC action, champ de recherche, champ de recherche. Que vous validez et vous marquez énoncer le texte. Énoncer le texte.
et non insertion de énoncer le texte. Une fois que vous avez inséré votre phrase, vous allez retrouver cette phrase en cherchant dessous et vous allez trouver énoncer le texte. Énoncer le texte. Énoncer le texte. Bouton en tête. Scanner nouvelle automatisation. Donc vous validez sur énoncer le texte et maintenant on va se positionner. Action énoncer le texte. Action énoncer le texte et juste dessous. Énoncer texte. Énoncer texte. Si vous utilisez VoiceOver, vous pouvez glisser un doigt du haut vers le bas. Modifier texte. Et on va faire modifier texte. Ici, on va lui dire par exemple attention, attention, la batterie est chargée. Débranchez immédiatement l'iPhone, sinon vous allez user votre batterie. Insertion de attention, attention, la batterie est chargée. Débranchez immédiatement l'iPhone, sinon vous allez user votre batterie. Voilà, donc on a mis cette phrase pour que on soit prévenu en temps et en heure. On part complètement en haut à droite sur le bouton suivant. Bouton suivant. Suivant. Ici, bouton de retour. Ici, tout de suite, vous allez tout en bas désactiver le bouton. Demandez avant d'exécuter. Demandez avant d'exécuter. On l'enlève. Double tap. Lorsque cette automatisation est déclenchée, elle effectue des actions. Donc, on la désactive. Ne pas demander. Bouton. Donc, on coche ne pas demander. Demandez avant d'exécuter. Voilà, donc on a décoché. Maintenant, on repart complètement en haut à droite. OK. Bouton. Sur le bouton OK. Et c'est terminé. Le script est enfin fini. Charge de la batterie, 98%. En charge, élément de la barre d'état. On n'a plus qu'à attendre que notre iPhone soit à 100%. Et on va écouter tout de suite comment ça se passe. C'est parti. Et maintenant, écoutez bien ce qui se passe lorsque votre iPhone est à 100%. Attention, attention, la batterie chargée à 100%, débranchez votre iPhone pour éviter de l'user. Plutôt cool, et ça évitera que le cycle de votre batterie s'use pour rien. Et ça, c'est vraiment très sympa. Attention, attention, la batterie chargée à 100%, débranchez votre iPhone pour éviter de l'user. Voilà donc comment faire énoncer Siri lorsque votre batterie est arrivée à 100%, éviter d'user votre batterie pour rien. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Venez nous rejoindre sur Vision High Tech. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine. Salut à tous.